Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être, de plaire à Dieu. On ne peut que plaire à Dieu par la foi. Dieu, un homme devant Dieu, il doit appliquer ou avoir la foi. Et ceux qui savent et ceux qui croient en l'Éternel, ils devaient savoir que Dieu existe réellement. Et lorsque nous parlons à l'existence de Dieu, vous allez se rendre compte, nous sommes en Europe, il y a énormément de personnes, des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est au conditionnel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous qui s'approchons de Dieu, nous devons plutôt croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut dire, si eux, ils ne croient pas, la foi ne peut pas agir dans leur vie. Ils ne peuvent pas, appliquer la foi dans leur vie. Mais celui qui croit que Dieu existe, il, sans la foi, il est impossible de plaire en Dieu. Laisse-moi t'apprendre, peuple de Dieu, lorsque nous parlons de la foi, le contraire de la foi, nous voyons l'incrédulité. Le contraire de la foi, nous voyons des doutes. Le contraire de la foi, nous voyons des gens qui peuvent croire à l'existence de Dieu, mais qui ne croient jamais que Dieu il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Des disciples étaient avec Jésus-Christ. Après avoir œuvré avec Jésus-Christ pendant un temps, ils ont posé la question, « Maître, nous avons tout laissé, tout abandonné. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Qu'est-ce que nous allons avoir après ?» Jésus les a dit, « Vous aurez les hauts centuples ici-bas et vous aurez l'autorité de juger les 12 tribus d'Israël. » Alléluia. J'aimerais apprendre à un enfant de Dieu, la même manière que la Bible parle, que le salaire du péché c'est la mort, mais la même manière aussi, la foi en Dieu, tu auras des résultats, tu auras un paye, tu auras une compassion, Dieu va te donner, Dieu va te payer ce que l'homme ne peut pas te donner. C'est pour cela que la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous sommes ici, dans ces lieux, si nous allons vouloir que ce lieu existe, parce que nous sommes des gens qui cherchent Dieu. Or, on ne peut pas chercher Dieu sans la foi. Or, on ne peut pas venir auprès de Dieu sans pourtant penser qu'après cette action, après avoir aimé Dieu, qu'il y aura une récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu te donnera la vie, la santé, la tranquillité ici-bas. C'est un salaire. Mais Dieu te donnera aussi la vie éternelle. Or, lorsque nous parlons de la foi, nous voyons carrément des doutes. Les doutes empêchent l'accomplissement d'exercice de Dieu. Les doutes empêchent, ou l'incrédulité empêche l'accomplissement des choses de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir, ce que l'homme croit facilement, c'est ce qu'il voit. Si nous sommes là, si on nous pose la question, combien vous étiez, vous allez citer tous les noms des personnes qui sont ici présentes. N'est-ce pas? Alléluia. On va citer les noms des personnes que nous sommes présents. Mais lorsque Dieu est adoré, lorsque l'adoration monte vers l'Éternel, Jésus descend dans sa présence. Il ne vient pas seul avec une grande armée. Alléluia. Or, lorsque nous parlons de doute, beaucoup de gens, même des disciples qui étaient avec Jésus, nous voyons l'attitude de Thomas. Lorsqu'il a pris la nouvelle, les autres parlaient. Ils parlaient de l'Évangile, que celui qui est mort, nous l'avons vu, et il est mort et ressuscité. Thomas avait des doutes. Thomas ne pouvait plus croire, malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il a fait devant sa présence, que ces mêmes personnes pouvaient encore revenir à la vie. J'ai bien expliqué. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui n'a pas la foi a des doutes. Celui qui n'a pas la foi est incrédule. Alléluia. Or, celui qui veut avoir des résultats auprès de l'Éternel ne doit jamais être incrédule, ne doit jamais manquer la foi, ne doit jamais perdre l'expression de la foi. Chaque jour dans sa vie, même s'il ne voit rien, même s'il voit des choses qui n'est pas correctes, il doit toujours croire, tout en sachant que mon Dieu agira. Que mon Dieu agira. Peuple de Dieu,
Si vous entrez dans le mystère de la foi, l'une des choses les plus difficiles que vous devez comprendre, Dieu, c'est un Dieu de promesses. Dans la Bible, la Bible est remplie de promesses que Dieu a dédiées pour ses enfants. La Bible est remplie de promesses pour les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas saisir toutes les promesses que Dieu a mises à notre disposition. Si vous n'avez plus la foi, vous ne pouvez pas voir des résultats que Dieu a préparés pour ses enfants parce qu'il y aura des doutes. Vous devez se rendre compte aujourd'hui. Il y a un terme qu'on a l'habitude d'utiliser à l'église, que Jésus revient bientôt. Combien ont déjà commencé à douter de sa venue? Combien ont commencé déjà à douter qu'il viendra un jour? Combien ont déjà des doutes que quand est-ce qu'il viendra? Nous devons savoir, peuple de Dieu, nous devons savoir l'église de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit jamais douter face à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit jamais avoir de l'incrédulité devant la face de Dieu. Peuple de Dieu, si nous avons l'incrédulité, vous devez savoir, c'est ça notre thème. L'incrédulité n'arrête pas. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. C'est ça notre thème. La volonté de Dieu, la Bible déclare, Dieu se présenta en disant, je suis l'Éternel, cela est mon nom. En dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Et ce que l'Éternel dira, ne fera-t-il pas? Ce qu'il dira, n'exécutera-t-il pas? L'Éternel veut dire, il dit et les choses arrivent. L'Éternel veut dire, il dit et les choses s'accomplissent. Si tu acceptes Dieu, sache qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire en Dieu. Donc, cela veut dire quoi? L'homme est rempli d'intelligence. L'intelligence peut être aussi la cause de l'incrédulité. Alléluia! L'intelligence peut être aussi la cause de l'incrédulité. J'aimerais expliquer. La Bible m'apprend un homme qui connaissait la Bible, qui maîtrisait la Bible. Il était docteur de la loi, Nicodème. Il maîtrisait la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Mais le problème, lorsqu'on lui a parlé des nouvelles naissances, Christ lui a parlé. Et tellement il était intelligent, il est parti vérifier dans ses livres, dans ses études, des doctorats. Il n'a rien vu. Sauf que s'il faut naître, il faut naître seulement d'une femme. Mais je te parle, peuple de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Dieu peut parler des langages qui sont contraires au langage mondain. Alléluia. Dieu peut parler des langages qui sont contraires au langage scientifique. Dieu peut parler des langages différents des médecins. Dieu peut parler des langages qui est contraire au monde. Alléluia. C'est pour cela, si nous entrons dans le langage de la foi, Dieu appelle la maladie la guérison. Dieu appelle la mort la résurrection. Si nous entrons dans le langage de Dieu, le langage scientifique dit 1 plus est égal à 2. Mais le langage de Dieu parle 1 plus est égal à 1. Alléluia. C'est pour cela que je disais, l'intelligence peut amener l'incrédulité. Il y a des gens aussi qui maîtrisent la parole de Dieu. Ils sont restés bloqués dans certains points, mais ils ne vont plus accepter certains points. Ils disent, ça c'est bon, ça c'est acceptable, et ça c'est pas pour nous. Alléluia. Peuple de Dieu, si vous voulez recevoir les résultats ou les payes de ta foi, croyez que Dieu agit au-delà de l'impossible. Lorsque nous parlons de la foi amène l'homme à l'impossible. La foi amène l'homme dans les choses, l'accomplissement des choses différentes. La foi amène l'homme à vivre des choses surnaturelles. C'est pour cela que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment peut-on faire des exploits si nous n'avons pas la foi en Dieu? Comment peut-on faire l'exploit si nous avons des doutes? Alléluia. Laisse-moi j'aimerais t'apprendre. En venant à l'église, quand tu es venu, tu as regardé. Dans les yeux humains, tu as dit des doutes. Ne doute pas, parce que ce n'est pas la foi. Avec Dieu, il faut croire. Même si nous sommes paix, même si nous ne sommes pas nombreux, mais nous allons vaincre. Même si nous ne sommes pas forts, mais nous allons réussir. Si nous sommes avec l'Éternel, rien ne pourra nous atteindre, parce que Dieu est à notre côté. Alléluia. Ne regardez pas à la manière des hommes. La manière des hommes veut voir, ils voient des milliers de gens, ils sont convaincus. Qui t'a dit avec des milliers de gens, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Alléluia. Je parle d'un concept, parce que nous parlons de la foi. Un homme, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a parlé le langage de la foi. Et la même manière aussi aujourd'hui, Dieu te parle du langage de la foi. Alléluia.
Le langage de la foi ne peut pas être compréhensif à toute autre personne, à d'autres personnes. Seule une personne qui est attachée à Dieu, qui veut plaire à Dieu, peut comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Si on comprend le langage de Nzambete. Alléluia. Je te dis, peuple de Dieu, Dieu agit par la foi. On peut plaire qu'à Dieu par la foi. Les orientations de Dieu peuvent être différentes du monde. 1000 personnes peuvent parler, fais ça. Mais l'Éternel sera la seule personne qui te dira d'une manière différente. Mais c'est là où tu réussiras. Il prend Abraham de sa nation, de la partie de la maison de son père, là où il y avait des gens, là où il y a des multitudes. Mais lorsque Dieu voulait faire dans la vie d'Abraham, il voulait voir la foi en lui. Il a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, va là où je te montrerai et je rendrai ton nom grand. Cela veut dire, si tu as la foi, la grandeur ne dépend pas des hommes. La grandeur ne dépend pas d'un piston. La grandeur ne dépend pas d'un ministre. Mais la grandeur dépend de l'Éternel parce que tu as la foi en Dieu. Tu seras payé, non pas par rapport aux hommes, parce que tu es avec l'Éternel. Tu seras élevé, non pas parce que tu es avec les gens, mais parce que tu as la foi en Dieu. La foi en Dieu change de données. Prends la vie d'une personne dans la malédiction et la mène vers la bénédiction. La foi en Dieu prend quelque chose qui est impossible et le rend possible. Alléluia. Et la Bible m'apprend, il y avait un homme, Dieu lui a parlé, comme il te parle aussi aujourd'hui. Dieu a parlé à cet homme en disant, je veux une arche, bâtissez cette arche. Peuple de Dieu, lorsque nous parlons, l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Ne sois pas incrédule, peuple de Dieu. N'aie pas de doute lorsque Dieu veut faire quelque chose. Ne fais pas tes calculs à toi sans pourtant tenir compte des calculs de Dieu. La Bible déclare, vos projets ne ce sont pas mes projets. Vos plans ce ne sont pas mes plans. Les plans des hommes ce n'est pas les plans de Dieu. Lorsque Dieu trace son chemin, il fait son équilibre. Cela ne correspond pas aux hommes. Cela ne correspond pas aux autres. Parce que Dieu fait à sa façon. Alléluia. Dieu fait à sa façon. C'est ça dire faire confiance à Dieu. Peuple de Dieu, même si tu appliques l'incrédulité, cela ne va pas arrêter Dieu de faire les choses. On peut te traiter d'un fou. On peut te traiter d'une personne, je ne sais pas, déplacée. Mais aie toujours confiance à Dieu et ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi. Lorsque tu as la foi accrochée à Dieu, quand des gens voient que c'est fini, toi tu sais, avec Dieu, il y aura une nouvelle chemin. Quand les gens pensent que maintenant c'est la fin, toi tu vois encore un autre chemin. Lorsque des barrières sont érigées devant votre vie, toi tu vois encore l'Éternel peut agir. Lorsque les gens voient que c'est la fin, toi tu vois encore une porte peut s'ouvrir. Lorsque toutes les portes sont fermées, toi tu sais que la porte de l'Éternel peut s'ouvrir. Et la Bible me dit, Noé a entendu la voix de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Le problème, ce n'est pas la parole, mais c'est l'incrédulité et le doute. Prenons une chose. Lorsque nous parlons de la foi, par la définition de la foi, c'est des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. C'est là où Dieu agit. Seulement dans les choses que tu n'as pas vues. C'est-à-dire Dieu, l'expérience ou la puissance de Dieu ne peut pas se montrer dans les choses déjà vues. Oh, et c'est Salama Awa. C'est Salamat. C'est pour cela qu'il a dit à Noé, maintenant bâtissez l'arche. Peuple de Dieu, personne ne peut comprendre ce que tu fais quand tu adores. Personne ne peut comprendre l'intérêt que tu donnes à Dieu. Mais toi, ne perds jamais la foi. Je parle de la foi et des doutes et l'incrédulité. Parce que la Bible me pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, on peut la voir. La foi, on paie aussi la paix. Alléluia. J'ai trop patienté. J'ai trop entendu. J'ai beaucoup écouté la parole. Tu mets l'intelligence à la place de Dieu. L'intelligence de Dieu est plus puissante et plus forte que notre ton intelligence. Comprenez, là, quand tu fais des schémas, tu fais des calculs, on te dit impossible. Là où on dit impossible, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Impossible, mais impossible. Mais la Bible me dit toujours, tout est possible à celui qui croit. Toi, commencer à croire et de ne jamais perdre la foi. Parce que c'est par là que Dieu agira.
Tant que nous avons un monde, nous avons un mission à Batouté. Mais nous avons une vision à Bonzambé. C'est pour cela que je te vois grand. Alléluia. Et Dieu savait, lorsqu'il parlait à Noé, il savait que tous ces peuples-là étaient incrédules. Écoutez, Noé disait, j'ai bâti l'arche, mais l'arche que j'ai bâtie, il y aura un déluge. Des gens faisaient les calculs humains en disant, si cet homme avait bâti cette arche à côté d'un fleuve, ces calculs peuvent être corrects. Si cet homme avait bâti cette arche dans un océan ou une mer, ces calculs peuvent être exacts. Mais Noé baptisait l'arche dans une montagne. Alléluia. L'incrédulité monte encore. Peuple de Dieu, quand tu entres en possession des choses de Dieu, beaucoup seront encore plus incrédules. Vous savez qu'est-ce que les gens entendent? Ils entendent quand est-ce que vous allez être dispersés. Un homme de foi, une femme de foi, c'est une femme qui n'abandonne jamais. Un homme de foi, une femme de foi, c'est un homme qui n'abandonne jamais. Peuple de Dieu, on peut te décourager, t'éloigner de la foi. Tu ne vas plus plaire à Dieu parce que tu vas te déborder et dépasser de Dieu. Mais celui qui aime Dieu, il sait, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe. Même si vous parlez que Dieu n'existe pas, même si à l'école, on vous enseigne que Dieu n'existe pas, mais moi, je sais que Dieu existe. On ne peut pas facilement éloigner quelqu'un de la foi vers la volonté de Dieu. Celui qui a la foi, ce n'est pas facile. Tu peux amener des grilles, tu peux amener des tracteurs pour essayer de remorquer cette personne, de l'arracher vers la volonté de Dieu. Mais il ne peut jamais abandonner Dieu. Je dis merci parce que toi, tu n'abandonneras pas l'Éternel. Je dis merci, tu ne lâcheras pas Dieu. Peu importe les tempêtes qui peuvent souffler devant votre vie, jamais tu dois abandonner Dieu. Jamais tu dois laisser Dieu. Comme c'était quelque chose qui n'a jamais été fait à l'époque de Noé, tout le monde prenait de Noé des fous. Tout le monde critiquait Noé. Sois patient que jusqu'à ce que tu verras que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marche-pied. Sois patient. La Bible dit, celui qui a la foi ne s'éloigne jamais de son objectif. Quel est ton objectif comme tu es là? Comme nous sommes là, quel est notre objectif, Église de Dieu? Moi, c'est aller au ciel. Alléluia! Un homme de foi ne s'éloigne jamais de son objectif. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, je cours pour voir, pour rapporter un coupe, pour rapporter un trophée. Je vois la but, je ne vois pas des distractions, je ne vois pas des choses que les gens sont en train de faire. Je suis en train de courir jusqu'à ce que je vais être premier. Je te dis aussi, et tant qu'un homme de Dieu, tu ne seras pas la dernière ou le dernier, tu seras premier au nom de Jésus. Vous savez, les obstacles peuvent t'empêcher d'atteindre votre but. Mais ne lâchez jamais. Noé était insulté de toutes parts, était critiqué de toutes parts. Voilà, regarde-moi ces familles-là. C'est des familles de fous. Vous êtes une famille bénie. C'est pour cela que les gens ne parleront pas le même langage que toi. Tu vis des choses de Dieu. C'est pour cela que les gens ne parleront pas le même langage que toi. Les gens peuvent te traiter de tout, t'insulter de toutes parts, de toutes formes. Mais s'ils savaient ce que tu seras demain, ils ne diront pas de choses. Parce que la foi, le pays de Dieu, amène quelqu'un à l'élévation. Alléluia. Et lorsqu'il continue à faire, déjà était le plus ampli incrédule. Je sais, tu peux prêcher la parole de Dieu, aller évangéliser. L'incrédulité des gens peuvent te décourager. Quand tu vois l'incrédulité, tu donnes à quelqu'un l'invitation, tu regardes, est-ce qu'il sera là? Tu dis, il n'est pas là. Mais ne te décourage pas. Si Noé avait découragé, laisse-moi te dire, un jour je parlais avec mon fils, mon berger Néo, et je lui disais un schéma qu'il ne comprend pas. J'ai dit, Dieu quand il agit, il te donne des instructions et il part. Il te donne des instructions. Ça dit, tu as des choses. Soit tu obéis jusqu'à la fin d'accomplir ce qu'il t'a dit. Soit tu t'arrêtes. Mais la Bible dit, celui qui relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Dieu ne reconnaît pas ce genre de personnes qui relâchent, qui abandonnent. Un homme de foi n'abandonne pas. Alléluia. Je connais, il y a des gens, tu peux les taper, il arrive toujours.
C'est pour cela que la Bible nous a défini la foi avec une veuve qui était une femme qui était veuve. Elle cherchait justice auprès d'un juge unique. Il dit que yo okopé sanga justice wana. Nazanga mubali, mais tu dois me rendre cette justice. La Bible dit la veuve venait toujours auprès de ce juge. En sortant de travail, elle était là. En sortant des bureaux, elle était là. Elle était persévérante. Peuple de Dieu, n'abandonne jamais la foi. La chose le plus pressée que l'homme doit présenter devant son Dieu, c'est la foi. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te communique encore aujourd'hui la foi. La parole de Dieu, et ce qu'on dit, ma place, c'est qu'on dit, mais kitaki. Et si quand il peut, on a soufflé, pour tout ce qu'on dit, manayo, et ce qu'on dit, encore en place. Alléluia. La parole de Dieu. Yebisa Moutou, la parole de Dieu. Yebisa Moutou, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Cela veut dire, la nature, j'aimerais qu'on puisse, lorsque nous parlons de la foi ou l'incrédulité des doutes, j'aimerais qu'on puisse comprendre la nature de Dieu. Quand Dieu dit un mot, cela ne rentre jamais sans produire des effets. Voici la nature de Dieu. Alléluia. Si il dit déjà un mot, cela ne rentre jamais. Donc c'est comme la pluie qui tombe. Donc il faut que le sol soit mouillé. Et l'arbre qui doit pousser. Cela prouve que Dieu agit. Cela veut dire, quand Dieu nous donne une direction, ne te détourne pas de cette direction parce que Dieu va agir toujours. Pourquoi Dieu veut que nous parlons, que je vous parle, qu'on vous enseigne, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Tu peux te détourner, mais cela n'empêchera pas Dieu d'agir. Ah, Nakasa, on peut s'en amener à bien. Amen, nous convaincre, Ngaté. C'est ça la réalité. Ça ne peut pas empêcher. Lorsque tu avances, ne retourne, ne recule pas. Quand tu avances, progresse toujours jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que tu verras la bonté de l'Éternel. Tant que nous avons monité au côté de sans beauté. Tant que tu n'as pas vu, tu ne dois pas abandonner la foi. Tant que tu n'as pas vu, tu ne dois pas abandonner la foi. Tant que au moni et résultat, au cobon de la toujours jusqu'à ce que tu verras. Peuple de Dieu, Noé continue à construire jusqu'à ce que Dieu est retourné encore vers Noé pour lui dire, maintenant c'est temps, c'est l'heure de commencer à faire entrer déjà des animaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la foi et le doute, l'incrédulité. La première parole de Dieu veut dire, si tu as compris le premier pas, c'est alors que tu verras la deuxième, la seconde parole. Alléluia. Si tu fais le troisième, si tu accomplis la deuxième parole, c'est alors que tu verras l'accomplissement des troisièmes paroles. Mais toi d'abord, commencez à faire des pas. N'abandonne jamais la foi. L'incrédulité arrive comment dans la vie d'une personne? L'incrédulité ou le doute commence à arriver lorsque en toi-même, tu ne parviens pas à croire que Dieu est capable de faire à ce niveau-là. Je ne sais pas quand quelqu'un comprend. Donc, tu mets tes niveaux. Tu dis, là, moi, je peux faire. Là, je peux faire. Mais par contre, là, de là jusqu'à là, moi, c'est un peu compliqué. Mais par contre, Dieu va faire. Tu avances encore certains niveaux en disant, ça ne peut pas être possible. Alléluia. C'est parce que lorsque nous parlons de Thomas, Thomas, c'était un homme, un serviteur de Dieu, un apôtre qui a vécu avec Jésus-Christ. Cela veut dire, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Il a vu Jésus guérir des malades. Il a vu des choses. Mais lorsque nous parlons de la résurrection, il s'est dit, bon, écoutez, moi j'ai réfléchi. Je pense que Thomas était intellect. Il dit, il commence à faire ce chemin à lui, étant qu'intellectuel. Jésus a ressuscité Lazare, oui, c'est vrai. Parce que lui, il a la grâce de Dieu. Il a appelé Lazare entre les morts et Lazare a retrouvé la vie. C'est possible. Mais qui peut faire pour Jésus? Alléluia. C'est pour cela, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, vous allez voir la Bible est claire. Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Si Dieu existe, ton problème doit prendre vie. Non pas parce que Jean-Félix est incapable. Non pas parce que la science te dit que c'est impossible. Mais parce que Dieu est capable. Croyez qu'il existe. Si tous les schémas sont à la fin, les derniers schémas, laissez ça à Dieu. Parce que Dieu agira.
Alléluia. Si tout est impossible, réservez cette dernière case-là. Dis, ici Dieu est capable. Thomas disait, bon, écoutez, j'ai des doutes. D'accord. Je vais croire. Mais je vais croire jusqu'à ce que je vais toucher ses plaies. Et toucher sa côte. Je vais croire. Donc, c'est-à-dire, si Jésus était ressuscité avec un corps renouvelé, Thomas ne devait pas croire. Alléluia. Or, par contre, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible m'apprend, Jésus était en prière, rien qu'en prière. Mais ils étaient en montagne en pleine prière. Pierre a regardé, Jésus n'était pas seul. Il a reconnu Élie et Moïse. Mais comment un homme qui n'était pas là à l'époque de Moïse, ni à l'époque d'Élie, peut comprendre que celui-ci est Élie, celui-ci est Moïse? Comment ces choses-là peuvent arriver? Voilà l'action de la foi. L'action de la foi, enlever les crédulités, enlever les doutes en toi. Cela veut dire, ça te donne des possibilités de croire que des choses ou les schémas humains ne peuvent pas réexister. Alléluia. Ah ouais, c'est la vérité. Acclamé pour la gloire de Dieu. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que lorsqu'il a reconnu en disant, mais la chair est revenue. En disant, écoutez maître, ici on est tellement bien. On va ériger 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Cela veut dire, vous êtes les plus, 3 plus grandes forces de la foi, vous serez réunis ici. N'amenez pas des choses de la foi à des choses matérielles. Si Dieu nous permet un jour, nous allons apprendre la différence entre la conviction et la foi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, mais je vais commencer déjà à détailler ça un peu. Quelle est la différence entre la conviction et la foi? Il y a certaines choses, il y a des églises qui sont séparées à cause de la conviction, non pas à cause de la foi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Cela veut dire quoi? Donc la conviction veut dire, dans certaines églises, il dira, maman Laetitia, toi tu ne peux pas prêcher. Est-ce que ça a un problème de la foi? Ni du royaume des cieux, ni de la foi. C'est juste un problème de la conviction. Alléluia. Je vais parler aux intellects. C'est que vous allez voir quand Paul écrivait à chaque peuple, il écrivait par rapport à son comportement. Pour des gens qui maîtrisent l'évangile, on appelle ça l'adaptation de la parole de Dieu. Quelqu'un, je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. L'adaptation de la parole de Dieu veut dire quoi? Laisse-moi vous dire, aujourd'hui nous sommes en été, il fait chaud. Mais si je demande aux femmes de s'habiller avec vos pannes pendant l'hiver, vous allez être à l'aise. Alléluia. Mais si on amène l'évangile là, en disant, ici vous pouvez porter d'Égypte toute l'année au Congo, ça va déranger quelqu'un? Parce que le climat est doux. À certaines fraîcheurs, si on vous donne cette conviction en disant, moi je crois qu'une femme ne peut pas porter un manteau, c'est ma conviction à moi. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Cela veut dire, certaines convictions peuvent amener des doutes dans la foi. Et peuvent amener l'homme de perdre la foi. Il y a quelqu'un qui entre à l'église par rapport à ses convictions. Lorsqu'une femme se lève pour dire je prie, Dieu agit, il prêche la parole de Dieu. Toi tu dis la femme ne peut pas prêcher, par rapport à tes convictions tu sors. Est-ce que ça a un rapport avec le royaume des cieux? C'est pour cela que la Bible déclare, le royaume de Dieu, ce n'est ni de manger ni de boire. C'est-à-dire, il y a des gens qui mélangent, ils mettent des doutes, l'incrédulité à cause des convictions. Oh non, tu vois, moi dans ma famille, les femmes devaient être comme ça. Mais les femmes devaient nous accoucher, donner des enfants. Ça, il n'y a pas de problème. Ils devaient préparer, pas de problème. Que la femme soit humiliée. C'est pour cela, Dieu agit pour confondre l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Jésus a été ressuscité, Dieu a permis que les premières personnes qui devaient voir la résurrection, c'était les femmes. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas. Jésus était né avec des frères et des sœurs. À l'époque de Jésus, quand on parlait de ses frères, on va dire Jean-Félix, c'est un homme. On parle de Néo, c'est un homme. Et les autres, qui ont derrière nous, on dit Élisée, ses sœurs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend.
Quelqu'un garde cette conviction antique de des temps anciens. Aujourd'hui, les choses ont changé. Des choses-là n'ont rien à voir avec la foi. À l'époque, une femme ne pouvait pas travailler. Aujourd'hui, même si une femme ne travaille, ce n'est pas une malédiction. Donc faites attention. Certaines choses peuvent amener les crédulités. Ça ne relève pas de la foi. Ce n'est que des doutes. Parce que s'il prêche, le ciel va tomber. Une femme, s'il prêche, la terre va trembler. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, ça dit, ce sont des convictions. Ne mélange pas dans la foi ta conviction et la foi. Parce que tes convictions peuvent détruire la foi. Dans tes convictions, oui, mais Dieu est au-delà de tout. Il peut agir au-delà de toutes nos pensées. Il peut faire au-delà de nos calculs. Il peut répondre à la manière, à sa façon et à sa manière. Alléluia. J'ai dit aux femmes que personne ne puisse te mettre derrière. Parce que Dieu a voulu que tu sois témoin de la résurrection. Je dis aux femmes que ta foi ne puisse pas être bousillée par des Thomas. Parce que quand des femmes ont rentré en disant que banane ba moni, banane ba zalaki ba témoin, oh basi, vous suivez les choses de ces femmes-là. Devant l'Éternel, il n'y a pas utile et inutile. C'est pour cela que la Bible parle dans Galates. Paul a parlé différemment aux Galates. En disant, pour ceux qui sont à Jésus, pour les autres, il n'y a pas leur souci. Vous comprenez? Nous parlons de. Il y a plusieurs camps. Il y a certaines convictions que des païens ne doivent même pas avoir besoin de ça. Paul disait, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui sont baptisés, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni libre. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Maintenant, peuple de Dieu, si maintenant tu mets tes convictions, là où le maître, Jésus lui-même, dit nous sommes un en Jésus-Christ, toi tu dis séparé des femmes, où est l'unité? Si tu crois que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Ne cherchez pas à séparer des hommes et des femmes. Comment expliquer maintenant? Une femme peut chanter. D'ailleurs, la Bible dit chanter, c'est prier des fois. Il chante, c'est d'accord, mais il ne peut pas prêcher. Voilà la différence entre des doutes et des convictions. Et d'autres personnes, j'ai vu même des églises se séparer au Congo. D'autres disent l'unicité. D'autres disent trinité. Ah bon? Voilà le débat. Oh non, moi je suis convaincu qu'il y a trois personnes en Dieu. D'autres disent, oui, moi je suis convaincu qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que ça c'est la foi ou la conviction? Vous comprenez un peu la différence des choses de Dieu? Ça mène l'incrédulité. Il dit non, ce qui dit, il y a un seul Dieu, ils ne sont pas dans les vrais. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ce n'est pas le meilleur. L'autre est aussi dit, vous dites que vous êtes dans les trinités, vous n'êtes pas dans les meilleurs. C'est votre conviction, mais ce n'est pas la foi. Dis Amen. C'est la conviction de cette ville, mais ce n'est pas la foi. C'est la conviction. La conviction, c'est quoi? Que toutes les passées sont des voleurs. C'est ça une conviction. Mais tu n'as jamais vérifié si tout le monde a volé. Mais ce sont tes convictions. Comme tu as déjà vu, observé, entendu, tu es convaincu que tout vole. Vous savez aussi, laisse-moi te prendre. Si quelqu'un te parle, si tu es Congolais ou Congolaise, te diront aussi que tous les Congolais sont des voleurs. Et ils te diront aussi par ces convictions. Ah, quand tu dis, ah, tu es Angolais, ah, des Angolais, ah, non, 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 j'aime pas, c'est des bandits. Ce sont ces convictions. Tes convictions, ce n'est pas la foi. Je suis venu dire à quelqu'un, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu d'agir. Ce que Dieu a préparé, cela doit se réaliser. Peu importe tes convictions, peu importe ta croyance, peu importe ta manière, le temps de l'orage va tomber parce que Dieu agira. Parce que Dieu agira. L'obéissance d'abord. Et ne sache, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nazan a posé à Batoua Kondima l'église. Nazan a posé à peuple à Kondima l'église. Nzan batala ka nombre à Batoua batala ka muta Kondima. Si il a parlé à Moïse, à Noé, parce qu'il connaissait Noé, pouvait écouter sa parole. C'est pour cela qu'il dit, je connais mes brebis. Il connaît aussi ma voix. Il m'écoute, il me suit. Cela veut dire, celui qui n'a pas de foi, il ne peut pas suivre les choses de Dieu.
Mais toi, tu as la foi, tu dois suivre parce que Jésus est avec toi. Jésus t'accompagne. Jésus comble ta vie. Jésus bénisse ta vie. Alléluia. Je préfère qu'on soit 10 personnes de foi, 1000 personnes qui n'ont pas de foi, mais qui ont plus de conviction. Ils te diront, pasteur Omoni, Ngaï, Ndengina Yebeli, Ezaboué. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce sont tes convictions. Parce que nous tous, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. La Bible dit, nous connaissons en partie. Et c'est pour cela que j'ai dit, la connaissance détruit. Il y a d'autres personnes, quand tu enseignes la foi, ça devient des choses compliquées. Au moins, je connais ça, dans AG, c'est comme ça. Dans Exode, c'est comme ça. Dans Deutéronome, c'est comme ça. Tu commences à chercher pour mettre tes convictions, non pas la foi. La foi va changer les choses de votre vie. La foi va t'amener au-delà de tes pensées. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Dieu peut sacrifier toute une nation à cause de l'incrédulité, mais sauver celui qui a la foi. Noé et sa famille étaient les seuls d'être sauvés à cause de l'incrédulité. Tu as écouté cette parole, toi tu ne mourras pas. Tu ne seras pas incrédule. Les peuples incrédules ne n'entreront pas ici. Que personne ne puisse détruire ta foi à cause de ses convictions. Oh non, moni, binoku na ngezaboye, na ba conviction na ngai. Ngade na mona ba kambo. Passer on a cause la passerte. Passer on zazoba. Passer on du fait ça. Donc ça ce sont ses convictions. Mais la foi, Dieu t'a aimé avant le commencement. La foi, tu feras des choses que l'être humain ne peut pas faire parce que Dieu sera avec toi. La foi, c'est ce qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes, avec ton Dieu sera possible. La foi, la Bible dit quelque part, le juste vivra par la foi. Et ça nombre à battre. Mais sois juste et vis par la foi. Ne permets pas l'incrédulité. La foi peut donner des poissons au moment où tu as travaillé et fatigué. La foi donne une parole d'espoir. La foi, si tu ne doutes pas, parce que Jésus insiste souvent, il a dit, écoutez, amène-moi en profondeur. Mais cet homme disait, maître, écoute, doucement, j'ai travaillé, mais je n'ai rien eu. La parole de Jésus te pousse à aller au-delà de tes limites. Mais après, pour vivre ton miracle. Oh. Mais après, pour vivre ton miracle. Peut t'amener loin, mais pour après te vivre le miracle. La Bible dit, cet homme a péché comme il n'a jamais péché. Sinon, à ta parole, je jetterai mon filet. La parole de Dieu soit ta vraie conviction qui fera en sorte qu'il détruit tes convictions pour accepter les convictions de Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. On peut venir prier ici, plaire à Jean-Félix, oui. Je dis, ah, un tel était là, un tel était là, un tel n'était pas là, pourquoi? Mais pourquoi il n'est pas venu? Mais celui que nous devons plaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Vous devez savoir une chose. Dieu va agir malgré ton incrédulité. Alléluia. Dieu va agir malgré ton incrédulité. Vous savez, à l'époque de Jésus, des gens ont vu des miracles et mangé le pain de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il était face à Barnabas, il fallait choisir tout le monde. On choisit Barnabas. Vous croyez que ton incrédulité peut arrêter Dieu? Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu ne doit jamais accepter les doutes prennent la place dans sa vie. Un enfant de Dieu ne doit jamais accepter l'incrédulité domine dans sa vie. Un enfant de Dieu ne doit jamais accepter son intelligence dominée. Il choisissait Barnabas, c'était l'accomplissement pour vous et moi que nous ayons la vie éternelle. Amen. Leur conviction, il y a même des gens qui payaient pour qu'on puisse voter Barnabas. Il dit, je suis convaincu, je suis convaincu, mais pour n'avoir Barnabas. Pour conviction, on comprend. Peuple de Dieu,
Laissez les doutes des autres puissent te préparer des bonnes choses. Amen. Ah, méritez amen ou anathé. Laissez les doutes des autres puissent préparer ta réussite. Ne plaire jamais si tu as la foi. Quand tu vois ça bloque là, tout le monde est contre toi. Tout le monde t'insulte. Tout le monde te dit mal. Tout le monde te dit le contraire. Acceptez ces doutes là. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est la foi. Laissez les doutes des autres puissent préparer de grandes choses pour ta vie. Nazoro ba yo fumo na makama minene. Nzambe fo visiter yo. Kondima wana ye po échanger cours ya vie na yo. Pas yo zo mona ko tika libela te. Ozo vivre le yango za la lobité. Nzamba zo ko sa tempo ku misa kombo na ye. Tango mbule ko beta ne tango bato ba ko yeba. Je parle de l'incrédulité pourquoi? Parce que l'homme comprend toujours en retard. Tango ba komo lela. Moïse fongo no e fongola. Tolingi to kota fongola. Porte kangami déjà. Nzamba ke na fongola. Oh, nazolo bana moto. L'homme comprend en retard. Des incrédules comprennent en retard. Ce qui moutaza pas ma bazo monet tinate. Joseph Fazala qui boy bazo monet tinate. Oh, balabi, oh, ya koutika la gaga boy. Ake soukata na prison. Mais Joseph avait des promesses à lui. Il savait, il a gardé sa foi, même dans un pays étranger, que nakotika kanzambe wanate. Un jour, il va changer. Zamba tombolaka. Zamba matisaka, Zamba salaka, Zamba répondaka, Zamba changaka, Zamba changaka. Okomona mutu makolongulu, lobi na yo yebite, lobi na yo oyebite. Tango makambo changaka yebanaka te, okoyebate, okotala likolozo bona leloza mukolambula te. Me mukolo wana Zamba kobetsa mbula, mukolo wana Zamba kosala likambo, mukolo wana Zamba korepondre, Zamba korepondre. Zamba correspondre. Zamba tika la kaba initan. Atika la kaba incrédulité. Ba finga nanu. Ba ina nanu. Ba ina nanu. Ba chola nanu. Ba tonga nanu. Après, à un temps, à un moment donné, Nzamba kitaka. Nzamba kitaka. Oh, nazola ba Nzamba kitaka. Nazola ba Nzamba kitaka. Atika la terre ba doute. Atika Rata a ma question. Atika Rata, oh, il pose des questions. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce que ça va arriver? Et qu'on y a mon colonine, au copère de Kondima. Mais Dieu agit toujours. C'est pour cela que Job disait, je sais une chose, que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Sokozo mona makamuna Nzambe. Mutako comprendre la facilité. Mutako mono bena comme eh akum bo point niveau. Eh ma ouais. Toi tu sais un jour les choses vont changer. Un jour les choses vont changer. C'est pour cela que la Bible dit quelque part Dieu répand pas de ses dons. Pour qu'on perde le courage. Abombe le mois d'on a pour sauver la dernière minute. Na prison et comme malikambo ko changer courage vina yo. Nazolo ba mupaya comme premier ministre parce que foi neza kangami na Nzambe. L'expérience des choses de Dieu, c'est accepter de vivre des choses impossibles. C'est ça la foi. Espérer, démoser des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Ozomona te emonana, ponzamba zolokumo. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.